Julie est en train d'utiliser votre futur nouveau meilleur ami. C'est le Pump and Slice. Qu'est-ce que c'est le Pump and Slice? C'est une mandoline. Mais vous savez, la mandoline, c'est ultra utile en cuisine, mais il y a plusieurs personnes qui hésitent à l'utiliser parce qu'on trouve que c'est peut-être moins sécuritaire parfois à cause que la lame est assez, assez à la vue. On a réglé ce problème-là. La lame est protégée. Puis ça fait des lamelles, en fait, de toutes les épaisseurs. Ici, j'ai fait une lamelle très, très fine. Et là, je vais vous montrer que je vais ajuster à l'arrière. J'étais à très, très fine, je vais aller un petit peu plus épais. En fait, les épaisseurs vont varier de 0,5 mm jusqu'à 8 mm d'épaisseur. C'est quand même assez, assez intéressant comme variété. Alors, de la betterave, par exemple, ce qu'on est en train de faire en passant, c'est une petite assiette d'antipastille. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on en profite pour utiliser le pump and slice et vous le montrer. Alors, ça s'assemble extrêmement facilement. Et il y a le compartiment à l'arrière qui recueille les aliments fraîchement coupés. Je vous le dis, j'en cherche, les défauts, j'en trouve pas. Ça vient même avec la petite brosse et le grattoir pour aller dégager les morceaux qui pourraient rester pris entre les lames. Je veux juste te montrer, mais en fait, montrer aux gens là, la différence d'épaisseur. Donc, on a un demi millimètre, puis un genre de 2 mm à peu près. C'est très bon. Oui. Là, j'ai fait exprès pour faire le test avec une betterave parce que c'est justement l'aliment qu'on a le plus peur de couper à la mandoline. Oui. Mais attends, là, Martin, ça va vite, vite, vite avec un concombre. Je vous montre ça à l'instant. Fait qu'on peut commencer à l'extérieur. Ben oui, exact. Et puis, tu vois, ce qui est bien aussi avec cette mandoline-là, avec le pump and slice versus les autres mandolines, c'est que le système de pompe fait qu'à chaque mouvement qu'on fait, le mouvement donne plus de puissance, donc plus de performance par mouvement. C'est beaucoup plus facile de couper les légumes comme la betterave, justement, tantôt. Et c'est aussi facile de couper des aliments comme des saucissons quand on fait des antipastilles. Alors, on peut le régler, disons, à 3 mm d'épaisseur. Moi, je dis que c'est bon, ça. On peut toujours faire le test aussi puis s'ajuster en cours de route. Alors, regarde. Alors, on fait des belles tranches de saucissons qu'on va venir déposer dans notre assiette. On en a différentes sortes. J'en ai aussi un plus petit. Même principe, on peut même le mettre un petit peu plus mince. Ce que j'adore, parce que j'ai un petit tempérament un peu craintif avec mes bouts de doigts et les choses coupantes. Le poussoir fait en sorte que jamais nos doigts vont proche de la lame. Ça se lave très bien, puis tu sais que ça va au lave-vaisselle. Tout ça va au lave-vaisselle, absolument. Je dispose ça rapidement. Oui, puis moi, est-ce que j'enchaîne avec le parmesan? Oui, pour faire les copeaux de parmesan. Oui. Vous savez, des fois, on va prendre une râpe pour râper les copeaux de parmesan. Le pump and slice va faire ça encore mieux. On peut régler ça assez mince, 0,5 mm, 1 mm, selon vos préférences. Puis on ajuste, c'est toujours facile d'ajuster en cours de route. Ah, ils sont parfaits, ils sont magnifiques. Alors, regarde, je vais poser ça vite, vite. Wow! Mmh. Parfait comme ça, c'est magnifique. C'est bon? Là, c'est mon tour. Ce qu'on aime beaucoup avec le pump and slice, c'est aussi qu'on peut faire des coupes différentes. On peut faire des tranches, comme on fait depuis tantôt. Oui. On peut aussi faire des bâtonnets, des juliennes. Des cubes? Et on peut faire des cubes, des petits dés. C'est très simple. On a simplement à régler les ajustements à l'arrière. On connaît déjà la roulette qui ajuste l'épaisseur de la tranche. Oui. On a ces deux petites languettes-là qu'on va tourner pour faire ressortir les lames perpendiculaires. Alors, si on en sort juste une, et puis on pourrait montrer avec des pommes de terre, qu'est-ce que t'en penses? Oui, OK. Parce qu'on va faire des frites et des juliennes. Alors, Julie, toi, tu y vas au plus épais. Parfait. Donc, une languette tournée et... Huit au maximum. Comme épaisseur. Et moi, je vais faire des languettes plus minces, donc je vais sortir les deux lames qui vont donc s'insérer pour faire de plus petits bâtonnets. Et je vais régler ça à 4. 4. Alors, on est réglé comme il faut? Ça devrait. Go! Bonne chance. J'ai pas mal gagné. Regardez ce que ça va donner comme résultat. Alors, vous allez avoir, de mon côté, oui, les juliennes, toutes fines. Elles sont magnifiques. Alors, si vous aimez vos frites plus fines... C'est parfait pour vous. Mm-hmm. Moi, je les aime quand même plus épaisses, puis je trouve que... C'est une belle épaisseur. Oui, absolument. Et ça, c'est juste. Alors, voilà. Je pense que vous allez avoir un nouvel allié dans la cuisine dont vous ne pourrez plus vous passer. Le pump and slice. Le pump and slice. Martin, qu'est-ce qui nous manque pour notre belle assiette d'antipastille? Ah, on pourrait ajouter des olives. Regarde, j'en ai dans notre petit pot à marinade Lock and Lock. Oui. Qui conserve bien les aliments. Alors, on peut mettre ça simplement ici. Là, on va garder notre pump and slice. En tout cas, moi, je le conserve. Parce D'accord. que la prochaine recette, qui est un pâté au poulet, mais on en a besoin. Parfait. Alors moi, disons que j'ai mis au lave-vaisselle mon pump and slice, que je l'ai nettoyé, qui est lavé, qui est prêt à ranger. Je vais vous montrer aussi que tout le côté sécuritaire se transporte jusqu'au rangement. Oui. Alors,
très simple. On vient simplement retirer. On remet la petite porte de rangement qui protège les lames. Ensuite, on referme les pattes. Ça s'en va dans l'armoire jusqu'à au prochain repas, je vous dirai dans mon